nous sommes là avec 8900 victimes. Nous demandons notre argent et l'argent des victimes. C'est le crime des siècles. 72 milliards d'ougia. 72 milliards d'ougia, à peu près de 300 millions de dollars américains. Je suis là malheureusement parce que tout simplement je suis victime de cette arnaque, la plus grande arnaque du siècle. Et on est là pour demander notre argent. On est là pour demander notre argent. Et on n'a aucun problème avec qui que ce soit. On ne dit à personne du mal. On est là spécialement pour que le monsieur nous paye, c'est tout. On est là, c'est tout. Pour expliquer beaucoup de choses, on va le mettre dans une phrase. Nous sommes ici, nous sommes des victimes avec ces gens-là, 8900. Tout ce que nous voulons, c'est notre argent. Avec ce monsieur, pas de plus. وعندنا دين وذا الدين فيه الضعفاء وفيه الناس اللي ماترات عندهم منازل باعوا منازلهم واللي باع سياراته واللي باع كرتاته وصبع في حالة ضيق مادي وصبح متشرد ما أجبر حاله يكري بيها ومدة دينه اتخطات وعاد عنده مشكلة الكراية وعنده مشكلة التشرد سمعتني وطالبين منكم وطالبين من الدولة ومن العالم كامل تدخل في القضية لأنها قضية متينة ذا الخلق متضرر حتى عنده تضرر إلى أقصى درجة وعاد الخلق كاد أنه فيه المرضى وفيه اليتامى وفيه الضعفاء وفيه طبقات المجتمع كاملة وعندهم مشكلة مالهم اللي عند الشيخ الرضا ونحن حالا هم مكتب نادي داين الشيخ الرضا مقابل في التيسير مقابل مكانه هو ولأننا قادين نوصلوا له لأن الشرطة ذاك حاميته ومقرديته ونحن ما قدوا نوصلوا له وهذا حقنا وحاميته الدولة هي الأولى حاميته Nous représentons plus de 8900 personnes qui ont été victimes de la plus grande arnaque dans le pays. Donc nous demandons à la gouvernement de l'intervenir pour résoudre ce problème. Le silence du gouvernement sur cet agissement de ce monsieur est un crime. Les pouvoirs exécutifs de son chef, il montre que la police de crime économique qui est instrumentalisée pour poursuivre des syndicalistes.